la voie de la relance s'ouvre à vous. Elle passe par ici, 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 ici et ici. Le marché canadien, c'est 10 provinces et 3 territoires offrant des secteurs porteurs à cibler, des marchés insoupçonnés à développer et d'innombrables occasions d'affaires à explorer. Le saviez-vous? La valeur des exportations québécoises de biens et services à destination des autres provinces et territoires du Canada est évaluée à plus de 80 milliards de dollars. Cela représente près de 40 % de la valeur totale de nos exportations et 17 % du PIB de la province. Saviez-vous aussi que le marché canadien représente le deuxième marché d'exportation de biens du Québec dans le monde, après celui des États-Unis? Et que la valeur du commerce interprovincial de biens du Québec est 4 fois plus élevée que celle avec la Chine? La voie de la relance passe par le commerce interprovincial. D'autant que, grâce à l'accord de libre-échange canadien, vous avez accès à un marché ouvert, stable et fiable, doté d'un environnement d'affaires similaire. La relance passe aussi par l'appui concret du gouvernement du Québec et de ses partenaires. Tous font équipe avec vous pour propulser votre stratégie de développement sur le marché canadien. Enfin, s'ouvrir au commerce interprovincial, c'est créer de la richesse pour l'ensemble des régions du Québec. Plus que jamais, le Canada est un marché sans frontières qui vous ouvre la voie à un monde d'occasions d'affaires. Bonjour à tous, Charles Milliard, PDG de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Merci d'être avec nous ce midi dans le cadre de cet autre événement de notre série Corex, série que l'on fait, vous le savez, en partenariat avec notre compagnon de plusieurs années, BMO, groupe financier. Alors, je salue la présence de Claude Gagnon, président donc BMO Québec, qui est avec nous et qui nous offrira, comme à l'habitude, de quelques mots à la fin de notre webinaire. Vous le savez, aujourd'hui, 11 mars, on célèbre un bien triste anniversaire, celui de l'anniversaire de la pandémie de COVID-19 décrétée par l'OMS, donc le 11 mars 2020. Alors, conformément aux souhaits des gouvernements, à juste titre, nous observerons une minute de silence pour les 10 518 personnes décédées au Québec dans la dernière année qui font partie en fait des plus de 22 000 décès au niveau du pays, donc du Canada. Alors, pendant la présentation à 13 heures, on prendra cette minute de silence ensemble pour réfléchir à cette situation qui, malgré tout, continue de s'améliorer jour après jour. Alors, j'espère que vous vous joindrez à nous pour ce moment. Aujourd'hui, nous faisons donc le quatrième rendez-vous de notre mois de promotion du commerce interprovincial. Alors, vous savez qu'on a eu depuis le 18 février dernier et jusqu'au 18 mars prochain une série de 5 rencontres. Donc, la première était plutôt générale sur l'ensemble des bénéfices du commerce interprovincial. Nous sommes ensuite allés en détail dans le secteur de l'agroalimentaire, plutôt cette semaine en technologie de l'information et divertissement. Et aujourd'hui, on se penche sur un secteur névralgique, évidemment, les biens de consommation, donc le secteur du commerce de détail. Un secteur qui est un peu comme la reprise économique, hein, qui est un peu en cas. Donc, certains qui ont vraiment bien profiter de la crise, disons-le comme ça, et d'autres qui peinent encore, évidemment, à voir la lumière du jour. Alors, je pense qu'il y a quand même un certain nombre d'opportunités intéressantes et nos collègues qui sont basés donc à la fois en Atlantique et en Ontario vous feront donc des présentations à cet effet-là aujourd'hui. On aura aussi, comme à l'habitude, des représentants d'Investissement Québec International, de Commerce International Québec aussi, et des témoignages donc de gens qui ont réussi justement cette aventure donc, du commerce interprovincial au niveau des biens de consommation. Alors, avant de céder la parole à René Vézina, qui est notre animateur, journaliste, chroniqueur économique bien connu, je remercie, je prends le temps de le faire, donc nos partenaires pour cette série. Donc, évidemment, Investissement Québec, grand partenaire avec nous de cet événement, le gouvernement du Québec, Commerce international Québec, alors le réseau des ORPEX, évidemment, le réseau de chambre, donc on a des représentants du réseau de chambre partout au Québec avec nous ce midi. Et les partenaires donc traditionnels de Corex, BMO Groupe Financier, Exportation et Développement Canada, Terrien Couture Jolicoeur, Investissement Québec CRIC et Mercadex International. Alors, tous ces gens vous ont préparé une belle présentation encore une fois ce midi. Vous savez qu'on a aussi des rencontres éclairs qui suivront ce webinaire. Alors, c'est une occasion, plus dans une formule one-on-one, d'avoir l'occasion de faire la promotion de vos projets pour l'ensemble du territoire canadien.
Alors, sans plus tarder, je cède la parole à René et je vous remercie de nous avoir choisi ce midi. René. Merci, pardon, merci Charles. Bienvenue tout le monde, bienvenue à tous et à toutes à ce autre épisode dans le mois de promotion du commerce interprovincial, qui est en fait un mois de réjouissance dans quelque sorte, même si aujourd'hui, évidemment, il y a une ombre qui se profile à cause de ce triste anniversaire, comme le disait Charles, un an déjà, encore que si on peut vraiment prévoir, enfin imaginer que la tendance se maintiendra, il y a matière à espérer pour la suite des choses, mais la vie continue et c'est un peu ça dont il est question depuis les premières rencontres virtuelles de ce mois de promotion du commerce interprovincial, dans le cadre, faut-il dire, de l'existence d'un accord de libre-échange à l'intérieur du Canada, à l'interne, souvent dont on ne connaît pas nécessairement les tenants et aboutissants. Et c'est aujourd'hui le moment de parler de ce qui a trait aux biens de consommation. Et on aura, comme d'habitude, les présentations suivantes qui vont s'enchaîner tout au long de cette période qui sera entrecoupée, comme on vient de le dire, d'une minute de silence. Alors, il y aura tour à tour les présentations des chefs de poste, Mme Catherine Tadros, qui est en poste à Toronto, Mme Maud-André Lefebvre, qui est en poste dans les provinces atlantiques. Suivront deux présentations d'associés, de partenaires de l'événement, Mme Agnès Gatignol, d'Investissement Québec et Mme Nadine Brassard de Commerce International Québec. Et après, on viendra carrément, on arrivera sur le terrain avec des gens d'affaires qui ont réalisé des percées dans le marché canadien. Ils nous expliqueront comment ils y sont pris et quelles leçons on peut en tirer. Mais sans plus tarder, je vais laisser la parole à Mme Tadros, Catherine Tadros, qui est chef de poste du Bureau du Québec à Toronto. Catherine? Bonjour René, merci pour cette présentation, merci à Charles aussi pour l'invitation, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui et de partir le bal en fait pour parler de commerce interprovincial et notamment dans le secteur des biens de consommation. Effectivement, ça fait maintenant un an qu'on est dans une année de crise qui affecte tout le monde à bien des niveaux, mais ça affecte aussi notamment les entrepreneurs et les entreprises. Et dans les biens de consommation, on voit que ça a été très dur parce que pour plusieurs entreprises, il a fallu s'adapter à une vitesse éclair, à une nouvelle réalité, notamment s'adapter puis pivoter là, vers les produits en ligne, s'adapter au numérique. Et ça a demandé beaucoup, beaucoup de travail pour ceux qui ont pu accomplir cette transformation. Mais ça a été aussi difficile pour certains de continuer à rencontrer puis à vendre à des grands acheteurs. En pleine crise sanitaire, là, c'était pas toujours facile. Alors, la présentation aujourd'hui, je vais tout d'abord parler du Bureau du Québec à Toronto, vous montrer un peu nos services, puis aussi très rapidement là, vous montrer qu'il y a des opportunités d'affaires au Canada, puis avec qui on travaille en ce moment pour faciliter l'accès des entreprises québécoises sur notre territoire. Donc, sans plus tarder, je vais partager ma présentation. Donc, voilà. Le Bureau du Québec à Toronto. Notre territoire, c'est toutes les provinces qui sont à l'ouest du Québec, donc les cinq provinces à l'ouest du Québec, de l'Ontario à la Colombie-Britannique, incluant les trois territoires. Le Québec a une présence à Toronto depuis 48 ans maintenant. Donc, ça fait longtemps qu'on est sur le territoire, très proactif. On accompagne plus de 300 entreprises par année et on le fait grâce à une équipe économique dont la grande partie est basée à Toronto. On a 5 attachés économiques à Toronto, puis on a aussi 3 employés à Vancouver. Et on se prépare là, à embaucher quelqu'un à Calgary. La plupart de nos ventes du Québec se font au Canada se font en Ontario. Donc, 50 % des ventes du Québec au Canada se font en Ontario. Alors, c'est pour ça qu'on a toujours une très forte présence. Mais il reste que les autres provinces sont très intéressantes, offrent des belles opportunités. On fait beaucoup de ventes et
C'est important pour nous d'avoir des gens locaux parce que tous les réseaux d'affaires sont différents d'une province à l'autre. Les grandes bannières peuvent être différentes aussi. Donc, avoir cette présence locale, c'est vraiment ce qui fait notre différence, notre valeur ajoutée. Puis, c'est ça qu'on peut faire profiter aussi aux entreprises du Québec. Les entreprises sont sérieusement en train de développer leur marché canadien. Donc, pourquoi viser le marché canadien très rapidement? On a une monnaie commune, c'est un peu une évidence, mais ça enlève tous les risques associés au taux de change qu'on peut avoir quand on va à l'international. Donc, c'est quand même un avantage non négligeable. On a une absence d'entrave douanière, aussi facilitant de beaucoup le commerce interprovincial. On a la proximité des marchés. Là, je parle peut-être plus pour l'Ontario puis les maritimes que ma collègue Maud André va discuter plus tard. Peut-être moins vrai pour la Colombie-Britannique. On s'entend qu'on est dans un grand pays, mais quand même. On a des institutions, des normes, des règlements similaires et tout ça encadré, comme Roline l'a mentionné, par un accord de libre-échange canadien. Et on a des équipes dans toutes les provinces et territoires qui s'efforcent d'enlever le plus possible les irritants au commerce interprovincial. Ça, c'est quelque chose qui se fait en continu. Toutes les grandes entreprises du Québec habituellement ont une présence au Canada, mais c'est aussi un bon, une bonne première démarche d'exportation pour celles qui se lancent dans cette grande aventure d'exporter hors des frontières du Québec. J'ai ajouté une photo de Premier ministre Legault qui est venu très tôt dans son mandat, dans le premier mois de son mandat à Toronto pour rencontrer notamment son homologue Doug Ford. Puis là, il était à nos bureaux au BQT. C'est un symbole fort là, de l'importance du marché pour nos autorités. Donc maintenant, allons plus dans le vif du sujet, secteur des biens de consommation au Canada. De façon générale, on a vu une augmentation la demande et des ventes. Si on regarde les chiffres de novembre 2019 à novembre 2020, on a eu une augmentation de plus de 13 % partout au Canada dans le commerce de détail de base. Et dans ça, ça, c'est des chiffres qui nous viennent du Conseil canadien de commerce de détail. On voit qu'il y a certains sous-secteurs qui ont très, très bien performé, comme les matériaux de construction, les articles de sport, les appareils électroniques et électroménagers, ainsi que les meubles. Là, les chiffres qu'on a sont pour avant les fêtes. On s'entend qu'il y a eu des fermetures dans les derniers mois. Alors, ce n'est pas comptabilisé. Il va y avoir des fluctuations selon les fermetures des commerces qu'on dit non essentiels, notamment. Donc, les chiffres vont évoluer avec le temps, ça, c'est sûr. Puis, il faut aussi mentionner qu'il y a des sous-secteurs qui ont eu beaucoup de difficultés, notamment les vêtements et accessoires. On s'entend qu'avec le télétravail, la demande était peut-être moins au rendez-vous pour certains sous-secteurs. Et ça a été très difficile. Dans l'augmentation, notons, peut-être un peu anecdotique, mais que la Colombie-Britannique, c'est la province où on a vu la plus forte augmentation de la demande sur notre territoire. Maintenant, je vais aller par province très rapidement. C'est un peu un sprint qu'on fait en ce moment, mais juste pour vous donner un aperçu du contexte et des possibilités d'affaires des partenaires que nous avons dans différentes provinces. Donc, tout d'abord, l'Ontario, population de plus de 14 millions d'habitants. Pas tout à fait le double, mais presque, que du Québec. Donc, si vous voulez augmenter la population auquel vous voulez vendre, là, l'Ontario, qui est un voisin, c'est peut-être une solution toute naturelle pour bon nombre d'entreprises du Québec. On vend, tout secteur confondu, 40 milliards de dollars par année, le Québec, juste en Ontario uniquement, ce qui est énorme. C'est de loin notre partenaire le plus important. On voit une forte croissance en Ontario, notamment dans les appareils électroniques et électroménagers, ainsi que les matériaux de construction, que ce soit pour la vente, les rénovations que les gens ont choisi de faire ou encore les constructions dans le secteur de la construction en général, qui est toujours quand même très actif, notamment dans les grands centres urbains comme Toronto. Ontario se démarque aussi pour sa forte présence de bureaux chefs, plusieurs grands détaillants. Et nous, on a fait des activités, on est en
contact avec bon nombre d'entre eux. Ça, c'est juste une sélection pour vous donner une idée. On est très actifs dans le secteur de la quincaillerie, par exemple, Canadian Tire, Home Hardware, Home Depot, qui sont tous les trois très, très intéressés par des produits canadiens, donc très intéressés par l'offre québécoise. Mais on travaille aussi avec les gens dans l'industrie de vêtements, que ce soit la B ou TGX, qui est notamment la maison mère de Winners, ici en banlieue de Toronto. Il y a aussi des grandes chaînes de pharmacies comme Shoppers Drug Mart, avec qui on est très actifs, ou encore si vous êtes plus dans l'industrie des cadeaux, des produits pour la maison, etc. Il y a des chaînes comme Indigo ou Nooks qui pourraient être intéressants. C'est difficile pour moi de parler d'Ontario sans parler plus spécifiquement de Toronto. Il y avait deux volets, deux choses que je voulais dire sur Toronto. Pour ceux qui n'ont peut-être pas suivi de près la situation à Toronto même, ça devient mélangeant, tout le monde, toutes les régions ont différentes fermetures à différents moments, mais Toronto a été une des villes en Amérique du Nord la plus touchée par les fermetures des magasins qu'on dit non essentiels, donc tout ce qui est hors épicerie. Je vulgarise, là, mais grosso modo, c'est juste lundi dernier qu'on a ouvert les magasins non essentiels, et ça à juste à 25% de capacité après plus de 100 jours de fermeture. Donc ça, c'est sûr que c'est très dur pour les détaillants. Et si on compte toute l'année, puis ça, c'est un article qu'on a vu lundi là, dans le Globe and Mail, ça fait 150 jours de fermeture à Toronto, juste à Toronto, pour ce type d'entreprise depuis la dernière année. Sur une note plus positive, peut-être, je voulais aussi mentionner que Toronto est considérée comme une des villes les plus multiculturelles au monde, notamment le Mayor Tory de Toronto le dit tout le temps, BBC l'a aussi dit. Ça peut être très intéressant pour les entreprises qui ont des produits plus nichés, des produits ethniques, par exemple. Ça peut être un bon test aussi, si vous voulez aller à l'étranger, de commencer par une grande ville très multiculturelle comme Toronto pour tester certains de vos produits. Donc ça, c'était deux éléments que je voulais absolument mentionner sur Toronto. Maintenant, allons dans l'Ouest canadien avec la Colombie-Britannique, population de 5 millions d'habitants. Puis malgré la distance, puis le fait qu'il y a peut-être une population moins importante, on vend plus en Colombie-Britannique qu'en Chine. Quelque chose que j'ai répété à travers nos différents webinaires, mais ça frappe l'imaginaire. Puis c'est important de savoir qu'on fait beaucoup de ventes dans l'Ouest canadien. En termes de secteurs à très forte croissance, on voit qu'il y a eu des grosses croissances dans le sport, passe-temps, livre, musique, plus de 40% d'augmentation. Je pense que les Rocheuses doivent avoir une certaine influence sur les activités des gens et leur intérêt dans la dernière année. Puis aussi les appareils électroniques et les électroménagers qui ont été en très forte croissance. Là, j'ai mis des bannières qui sont soit basées à Vancouver, très présentes à Vancouver, avec qui on a des liens. On a passé de sport puis de plein air, mais il y a évidemment MEC, Mountain Equipment Co-op, mais aussi Valia Pure Outfitters, qui est une autre chaîne qui a 12 magasins en Colombie-Britannique puis en Alberta. Donc, peut-être un peu moins connu des Québécois, mais très, très populaire dans l'Ouest canadien. Il y a aussi des chaînes dans tout ce qui est produits animaliers, qui est aussi en forte croissance en ce moment, avec Pet Food and More basé à Vancouver. On a dans le meuble Article et Urban Barn, les deux dans des produits haut de gamme. Et Article qui fait du commerce beaucoup en ligne, donc des noms à connaître si vous êtes dans ce secteur-là. Et j'en passe, mais ça vous donne une idée là, des grands détaillants auxquels on peut qu'on peut approcher dans l'Ouest canadien. Pour l'Alberta, Saskatchewan, Manitoba, je les ai regroupés, une population de 7 millions d'habitants. Sous secteur fort, on dirait que c'est un peu un mix de Colombie-Britannique puis de l'Ontario. Le sport passe-temps, plus de 36 % en Alberta. Puis les matériaux de construction pour la Saskatchewan et le Manitoba. Une chaîne dans la quincaillerie, c'est PV Mart, qui a 37 magasins dans l'Ouest canadien. Donc, encore une fois, une bannière peut-être moins connue au Québec, mais très importante avec qui on développe des relations en ce moment, qui pourraient être intéressantes pour bon nombre d'entreprises québécoises, d'autres chaînes
pharmaceutiques comme PharmaSave, puis Value Drug, London Drug aussi, bien présent en Colombie-Britannique aussi et en Alberta, pour tout ce qui est produits cosmétiques, naturels et autres. Encore des chaînes dans l'animalerie, Bricks, qui est basé à Edmonton, dans le meuble, et EQ3, qui est basé à Winnipeg, aussi dans le meuble, qui a 9 magasins sur le territoire du BQT. Puis j'ai regardé hier 5 magasins au Québec. Alors, c'est quand même une marque connue au Québec, mais basée à Winnipeg. Puis on peut vous aider à faire des liens avec eux. Sportcheck, dans le sport, qui est aussi basé à Calgary. Donc, des partenaires importants pour nous. Maintenant, je vous ai dit, c'est un peu vitesse éclair, grande tendance, l'achat en ligne, ben ça c'est une surprise pour personne, je ne vais rien apprendre à personne, mais juste pour dire qu'on est passé, on avait des prédictions qu'on allait être là où on est en ce moment, on pensait que ça allait nous prendre 5 ans, puis ça nous a pris 5 mois. Donc vraiment, quand je dis que les entreprises ont dû travailler très, très fort pour s'adapter, je pense qu'un chiffre comme ça le démontre amplement. Et ça devient un incontournable, non seulement en temps de crise, mais pour la suite. L'achat local, évidemment, ça a la cote. Donc, tout ce qui est un produit canadien s'il y a un prix compétitif, de bonne qualité, etc., ça va avoir la cote partout au Canada. Alors, ne pas avoir peur d'exploiter un petit peu ce volet-là, le fait que vous êtes des produits canadiens pour votre clientèle canadienne. Il y a d'autres techniques de vente aussi qu'on voit émerger, comme le live shopping, qui a vraiment des belles retombées au niveau de vente, qui peut être très utile et qui risque de perdurer dans le temps aussi, même post-pandémie. Et on a parlé d'événements qui souffrent en ce moment, sauf pour le segment de luxe qui a vraiment la cote. En fait, on a des meilleures ventes dans ce segment de sous-secteur de luxe qu'on avait en 2019. Donc, voilà pour certaines grandes tendances que nous observons. Maintenant, comment on peut vous aider? Eh bien, il y a un concept qu'on a vraiment rapidement mis en ligne, puis on s'est nous-mêmes adapté à la pandémie, et c'est les rencontres avec les acheteurs, ou « meet the buyer » en anglais, où nous, on cogne aux portes des grands détaillants et on leur suggère de rencontrer des groupes d'entreprises québécoises en échange de vraiment pouvoir rencontrer les bons acheteurs dans ces grands détaillants. C'est souvent ça le défi, c'est de rentrer, d'ouvrir la porte, mais de rencontrer la bonne personne. Et c'est vraiment ça qu'on tente de faire à travers ces rencontres d'acheteurs. On en a plusieurs qui sont à venir. En fait, on va avoir une rencontre d'acheteurs avec Amazon. On en a fait aussi dans les mois passés. Ça s'est très bien passé. On a des beaux résultats, des belles ventes quand on fait ce type d'événement pour les entreprises québécoises. Puis on est aussi en discussion avec Costco et The Brick, et on devrait avoir des activités ce printemps avec ces grands détaillants. Mais il y en a beaucoup d'autres à venir. C'est vraiment un concept qu'on va on va en faire beaucoup dans la prochaine année. Donc, qui est derrière tout ce travail? Nos expertes dans le secteur des biens de consommation à Toronto, c'est Valérie Dufault, qui est un attaché qui est spécialisé dans ce secteur. Et à Vancouver, c'est Marine Cauchy. Donc, si vous êtes sérieux dans vos démarches et vous avez besoin d'accompagnement au Canada dans le secteur des biens de consommation, ça va être vos répondantes. Et Agnès Gatignol, on travaille toujours de pair là, avec Investissement Québec International, et elle va vous expliquer plus en détail là, la façon de faire puis d'entrer en contact avec nous. Donc, sur ce, ça fait le tour de ma présentation. Merci beaucoup. Et je repasse la parole à René pour les provinces atlantiques. Oui, merci Catherine. On aura de toute façon l'occasion de revenir sur certains des concepts que vous nous avez présentés brièvement pour voir de quelle façon on peut profiter de ces ouvertures du côté de Toronto et vers l'ouest. Mais pour l'instant, on va se tourner du côté de l'est, vers les provinces atlantiques, avec Mme Maude André Lefebvre, qui est la chef de poste du Bureau du Québec vers l'est. Mme Lefebvre. Il faudrait ouvrir votre micro. Oui. Là, vous m'entendez? Bon, parfait. Donc, est-ce que vous voyez toujours ma présentation? Non? Bon, ça va bien, j'y arrive. Donc, voilà.
Donc, là, tout devrait être en ordre. Alors, ben merci. Merci, Catherine. Merci, Charles. Merci, M. Vézina, pour avoir mis la table. Donc, je ne reviendrai pas sur les avantages du commerce interprovincial. Je pense que Catherine l'a bien couvert. Je vais aller tout de suite avec la présentation des opportunités qui sont offertes en Atlantique. Quelques mots pour commencer sur notre bureau. Donc, le Bureau du Québec dans les provinces atlantiques est ouvert depuis 40 ans maintenant, mais on a un mandat économique depuis seulement 2 ans. Donc, on a une petite équipe de 2 personnes, là, 2 attachés économiques qui ratissent les 4 provinces atlantiques depuis 2 ans. Donc, on parle de Terre-Neuve et Labrador, l'île du Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick. Un peu à l'image de ce que fait le Bureau du Québec à Toronto, donc on fait une veille sur les opportunités économiques, on fait de la mise en contact, on accompagne les entreprises, on organise et on participe à des événements économiques. Quelques mots sur le contexte politique et économique en Atlantique. Donc, je dirais que c'est un contexte qui est favorable quand même aux échanges, même si ce n'est pas le marché, évidemment, de l'Ontario ou de la Colombie-Britannique. Il y a quand même des opportunités intéressantes puisque les provinces atlantiques connaissent quand même une bonne, ben, avant la pandémie, connaissaient quand même une bonne croissance économique, là. Il y a plusieurs niches intéressantes. En fait, il y a tout le secteur vert. Là, il y a trois nouveaux gouvernements sur 4 qui accordent une priorité là, à tout ce qui est développement vert, technologie verte, produits verts, changement climatique. Et ça, évidemment, ça suit là, un mouvement populaire. Donc, je le mentionne parce que c'est quand même un secteur où il peut y avoir des opportunités. Il y a évidemment un mouvement d'achat local qui prend de l'ampleur. Je vous reviendrai parce que ça peut représenter une opportunité pour les entreprises québécoises. Et je mentionne là, c'est des économies quand même qui connaissaient un bon taux de croissance là, avant la pandémie. Maintenant, le marché atlantique. Donc, c'est un marché de 2,4 millions. Donc, on n'est vraiment pas dans les chiffres dont parlait Catherine pour l'Ouest canadien, mais quand même, là, j'aime le mentionner, il y a des opportunités intéressantes pour les entreprises qui s'intéresseront à ce marché-là. La population est concentrée dans les centres que sont Halifax, Fredericton, Moncton, Saint-John et Charlottetown et Saint-John-Terre-Neuve. C'est le secteur des biens de consommation, c'est un secteur qui embauche 150 000 personnes, donc à peu près un travailleur sur 8. Donc, c'est 15 000 à peu près centres d'affaires. C'est évidemment un secteur, là, à l'instar de ce qui se passe à travers le Canada, un secteur qui a été ébranlé par la pandémie. J'y reviendrai, et qui a connu évidemment qui a été marqué par un transfert grandissant là, des ventes vers le commerce en ligne. Peut-être une statistique intéressante, là, les importations de biens et services internationaux des provinces atlantiques, c'est représente 49,2 milliards de dollars. Donc, ça, c'est des parts de marché que les entreprises québécoises là, peuvent, à mon avis, aller chercher. Maintenant, vous voyez un peu la répartition du marché des biens de consommation. Je mentionnerai peut-être les secteurs importants là, que sont, outre, si on exclut là, évidemment l'automobile de ça, et le secteur de l'alimentation et des boissons là, pour lesquels on a fait un webinaire à part. Il y a quand même tout le secteur des produits de santé, biens personnels, la marchandise générale, tout ce qui est vendu en station-service, là, puis évidemment quinquennat, construction, là, qui sont des domaines intéressants. On parlait de l'impact de la pandémie en Atlantique. Il y a une chute importante là, dans ce secteur-là ici aussi. En fait, c'est 1,6 milliard. La chute, c'est une diminution de 1,6 milliard entre mars et mai 2019 là, pour le commerce de détail et 3,3 milliards là, dans les grands projets de construction. Par contre, vous avez peut-être vu ou entendu parler de la bulle atlantique, là, mais cette bulle-là a fait en sorte que l'économie atlantique a été quand même à même de reprendre une bonne partie de ces pertes-là dans le courant de l'année 2020. D'ailleurs, pour l'année 2021, là, le Conseil économique des provinces atlantiques prévoit une croissance de 17 % là, dans le secteur de la construction.
Ensuite, ta croissance démographique, je voulais dire quelques mots sur cet élément-là parce qu'en fait, les provinces atlantiques connaissent une croissance démographique importante, notamment les grands centres là, que sont Halifax et Moncton, et ça se traduit par une augmentation de la demande, notamment dans le secteur immobilier, donc tout ce qui est, je le mentionnais, construction, quincaillerie, tout ce qui est associé aux produits de maison connaissent une demande importante. C'est un secteur, là, le secteur construction quincaillerie qui vaut 7,2 milliards en Atlantique, donc 7% à peu près du PIB. Un autre élément que je trouve important de mentionner, là, c'est le vieillissement de la population. Donc, les quatre provinces atlantiques comptent les populations les plus âgées au Canada. Donc, ça aussi, ça représente une opportunité. Donc, tout ce qui est produit qui s'adresse à une clientèle plus âgée va être en demande ici. Et autre élément intéressant, c'est que les retraités d'aujourd'hui disposent d'un revenu de 44% plus élevé que les retraités d'il y a 20 ans. Donc, vraiment, il y a un marché ici là, pour ce type de produits-là. Ensuite, c'est pas long. Donc maintenant, juste la croissance du revenu, ben, je le mentionnais un petit peu là, avec les retraités, mais moi j'étais quand même étonnée de voir que le revenu disponible par habitant est plus élevé dans les provinces atlantiques qu'au Québec. Donc là aussi, il y a une opportunité. Donc c'est pas un gros marché, mais les gens quand même ont des moyens. Donc on trouvait que cette statistique-là est intéressante, là, cet écart-là. Maintenant, il y a aussi des centres de décision en Atlantique. Dans le secteur de la quincaillerie, par exemple, là, qui est un secteur sur lequel on va travailler cette année, il y a le réseau des Kent, de l'entreprise Kent Building Supplies qui opère une cinquantaine de quincailleries dans les provinces atlantiques. Il y a Paint Shop, qui opère 36 magasins dans les provinces atlantiques. Il y a Access More à partir de Terre-Neuve là, qui dessert 650 magasins à travers le Canada. D'ailleurs, c'est intéressant de mentionner qu'il y a des entreprises qui ont leur siège social ici en Atlantique. Et donc, vous pouvez entrer, quand vous travaillez avec ces entreprises-là, vous pouvez entrer sur le marché atlantique, mais également, ça peut vous donner accès là, au reste du Canada. Dans le secteur des marchandises générales, il y a Coleman à Terre-Neuve qui a 12 magasins. Il y a Great Canadian Dollar qui a 125 magasins au Canada. En fait, Sobeys que vous connaissez peut-être, donc 300 magasins, environ 140 franchisés. Il y a des entreprises dans le domaine des pharmacies. Évidemment, tout ce secteur des dépanneurs est un secteur quand même important ici. Donc, il y en a plusieurs avec... le Needs, notamment, Sobeys, etc. Bon, évidemment, le secteur, Catherine en a parlé, mais le secteur des animaleries ici aussi, là, avec la pandémie notamment, a connu une croissance importante. Donc, il y a des centres de décision là, ici aussi dans ce secteur-là. Je vais terminer rapidement avec les activités sur lesquelles on va travailler cette année. Donc, secteur des quincailleries, un accueil d'acheteurs, puis même chose là, pour le secteur des pharmacies, donc avec Lawtons et Sobeys. Donc, si jamais vous êtes dans ces secteurs-là, bien, il nous fera plaisir de travailler avec vous pour dans le contexte de ces deux activités-là. Puis entre-temps, bien, comme je l'ai mentionné, on fait aussi des accompagnements individualisés. D'ailleurs, parlant d'accompagnement, je vous présente notre conseiller responsable de ce secteur-là en la personne de Pierre Martin. Donc, vous aurez sans doute la chance de rencontrer là, si jamais vous vous intéressez au secteur, c'est-à-dire au marché atlantique. Alors, voilà qui met un terme à ma présentation. À vous, René. Merci, merci, mon André. On va d'ailleurs continuer avec vous, si vous le permettez. Vous l'avez dit, précisé à quelques reprises, ce n'est pas un marché immense que le marché des provinces atlantiques, en termes de taille notamment. Et dans ce contexte, puisqu'il faut par moment concentrer ses billes, on ne peut pas s'éparpiller, est-ce que ça vaut vraiment la peine, est-ce que c'est rentable pour des entreprises québécoises d'investir à la fois du temps, de l'argent, de l'énergie pour s'y tailler une place?
Oui, tout à fait. Je pense que c'est vraiment un marché qu'il faut considérer, là, premièrement parce que c'est pas un marché qui est extrêmement complexe, là, pour avoir été. En fait, j'ai été dans une vie antérieure en Chine, accompagnée des entreprises en Chine. Donc, le marché atlantique est un marché qui est quand même relativement facile d'approche. Autre élément intéressant, c'est Catherine en parlait aussi, mais la proximité, évidemment, la proximité géographique, mais aussi la proximité culturelle qui fait en sorte que pour une grande partie, en fait, puis j'ai oublié, ben, j'ai pas oublié, là, mais on est limité dans le temps, mais il y a une bonne communauté francophone ici en Atlantique pour qui le Québec est un peu, enfin, on fait partie de la même famille, là, donc il y a un intérêt envers les produits québécois, il y a une confiance envers les produits québécois qui fait en sorte qu'ils s'intéressent à nos produits. Donc, il y a tout ça qui fait ça. Et puis, je dirais en fait que je pense que l'Atlantique peut faire partie d'un spectre de marchés à regarder. Puis je pense notamment à une personne dans un webinaire précédent qui nous disait qu'un peu par dépit, elle s'était tournée vers le marché atlantique parce que, bon, dans le contexte de la pandémie, d'autres événements ailleurs avaient été annulés. Et ça a été quand même très rentable puisqu'elle a augmenté son chiffre d'affaires de 300 % sur le marché atlantique. Donc, je dirais que vraiment, il y a quelque chose à faire ici, là. Et puis, c'est pas encore là, c'est pas des coûts énormes de s'intéresser à ce marché ici, là. Et vous pouvez d'ailleurs les accompagner pour faciliter les choses. C'est ce qu'on en Tout à fait, tout à fait. On a une équipe qui est bien branchée ici. En fait, nos deux attachés économiques sont ce qu'on appelle des recrutés locaux, donc des gens qui connaissent le marché en Atlantique, qui connaissent les chefs d'entreprise, qui connaissent les filières et qui sont au service des entreprises québécoises. Et là, je me retourne du côté de Catherine Tadros. Madame Tadros, vous avez mentionné deux, trois techniques, deux, trois approches. De nouvelles approches pour établir le contact, notamment, si j'ai bien vu, le live shopping. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage sur ce que ça représente et de quelle façon on peut profiter de ces tendances? Et donc, c'est Madame Tadros qui va prendre le relais. Catherine? Oui, en fait, le live shopping, c'est une technique qui nous vient de la Chine, de l'Asie. Puis c'est vraiment pour remédier à la problématique du contact avec le consommateur quand justement ils viennent pas dans notre boutique, par exemple. Donc, on peut vendre en ligne, mais il manque quand même cet élément de poser des questions, d'interaction. Et le live shopping, donc, essaie de remédier à ce manque qu'on a, dans le fond, de ne pas pouvoir être sur place dans les ma magasins. Alors, à travers le live shopping, puis on a une compagnie en fait québécoise qui s'appelle Live Scale, qui outille les entreprises pour pouvoir en faire puis être efficace. C'est comment organiser des événements d'achat avec en temps réel avec ses clients et leur permettre d'acheter pendant l'événement. Donc, faciliter et le contact avec le client et l'achat en ligne. Puis, il y a des retombées vraiment très, très positives par rapport aux ventes. Les entreprises peuvent vendre de 2 à 5 fois plus quand ils utilisent ce type de méthode en ligne. Alors, tu sais, on est dans un nouveau monde dès maintenant, puis les gens s'ennuient quand même d'aller dans les magasins. Ils ont besoin de ce contact, ils ont besoin d'une certaine interaction des fois pour aller jusqu'à l'achat en ligne. Et donc, on voit beaucoup de technologies qui essaient de remédier à cette problématique et avec beaucoup de succès pour ceux qui veulent vendre directement aux consommateurs. Mais c'est surtout tout ce qui est relationnel avec le client est quand même très, très important pour l'expérience d'achat. C'est en fait une sorte de moyen terme entre l'achat sur place et l'achat en ligne. On essaie de faire le pont entre les deux. Et puisque vous en parlez, j'allais vous dire, toutes les analyses, tous les relevés montrent que ce sont des grands géants américains qui dominent en bonne partie le commerce en ligne, qui se sont imposés, quand même une entreprise dont le nom commence par A majuscule. Est-ce que les entreprises québécoises peuvent se faire valoir et effectuer une percée à travers ça pour être en mesure de prendre une part de ce marché du commerce en ligne qui s'est vraiment imposé là, pendant la pandémie? Oui, mais c'est sûr que
toute grande entreprise qui avait déjà les outils en ligne, qui avait déjà les moyens logistiques de livrer, parce que c'est pas juste vendre, mais il faut pouvoir livrer, oui, etc. Et certaines grandes compagnies américaines, donc j'imagine qu'on ne nommera pas, mais que j'ai probablement nommé durant ma présentation, sont très forts à vendre à des clients. Alors, on ne peut pas ignorer le fait que c'est des plateformes où il y a beaucoup d'achats qui se font, beaucoup d'achats au Canada. Et il faut profiter. Donc, oui, on essaie de positionner nos compagnies québécoises pour qu'elles soient présentes sur un grand nombre de plateformes, mais incluant ces grandes plateformes qui sont très utilisées par nos acheteurs. On ne peut pas se le cacher. Il faut aller là où l'acheteur va aussi et vendre. Donc, c'est pour ça qu'on fait des... Puis on peut mettre en contact des entreprises québécoises avec des plus petits détaillants. Dans la mode, on misait beaucoup sur des petits détaillants qui vendaient très canadiens, etc. On avait beaucoup de succès, mais c'est sûr que maintenant, en ligne, ceux qui avaient une longueur d'avance sur d'autres, c'était ces grands détaillants. Mais avec d'autres technologies comme le live shopping, etc., il y a moyen de développer ce lien qui va rester important entre un acheteur et le vendeur. Donc, si on peut ajouter la touche personnalisée, là, ça va aider aussi à la vente. Mais il ne faut pas négliger les grands canaux de distribution qui existent, que les gens utilisent. Il faut aller à la rencontre des acheteurs. Et avant de revenir à Mme Lefebvre, rapidement, là, parce que le temps file, vous avez parlé de ces activités genre rencontre d'acheteurs ou meet the buyer. Est-ce que vous pouvez donner un peu plus de détails, là, mais comme je vous dis, de façon assez concise, parce que après, je vais terminer avec Mme Lefebvre. Oui, parce qu'en fait, on fait ça dans les deux bureaux, là, les meet the buyer, mais c'est vraiment l'idée. Puis ça, c'est un service qu'on offre gratuitement et aux grands acheteurs et aux entreprises du Québec. Et c'est la rencontre entre ces géants qui n'auront pas nécessairement, qui ne vont pas réagir si une petite PME du Québec cogne à leur porte. Nous, on leur offre une masse critique d'entreprise en échange d'un moment comme d'une journée ou d'une demi-journée où nous, on a accès aux bons acheteurs des différentes catégories de produits. Parce que ce n'est pas juste rencontrer Costco, mais on veut rencontrer l'acheteur de sa catégorie de produits. C'est ça qu'on promet. Il y a toujours une sélection qui se fait par le grand détaillant. Alors, ce n'est pas toutes les entreprises québécoises qui vont pouvoir être présentées. De toute façon, ce serait une perte de temps pour elles si le détaillant n'a pas d'intérêt pour sa catégorie de produits. Alors, il y a comme une sélection qui se fait par le grand détaillant. Et après cette rencontre, quand on le faisait en présentiel, on s'occupait de toute la logistique, etc. Là, en virtuel aussi. Mais c'est vraiment une formule très efficace. Puis on a vu vraiment, ça se compte dans les millions de dollars de ventes là, quand on fait ce genre d'activité. Donc, peut-être que Maud André, justement, voudrait compléter par rapport à... Bien, justement, je lui tends la perche sur cette façon de pouvoir connecter acheteurs et vendeurs, mais aussi, en même temps, à savoir si les entreprises qui arrivent du Québec, qui se présentent, vous avez parlé de proximité culturelle, de cousinage pratiquement, Maud André, est-ce que l'on peut croire qu'il y a des avantages pour les entreprises québécoises, quitte à ce qu'elles utilisent des techniques comme celles dont vient de nous parler Catherine? Oui, tout à fait. Il y a des avantages indéniables. Je parlais notamment là, de l'idée. En fait, ça peut être très rapide d'entrer dans les entreprises ici en Atlantique. Là, il y a une façon de faire les affaires qui est, j'allais dire plus simple, là. Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en fait, on a accès à des gens assez relativement rapidement, et puis les gens sont intéressés par les produits québécois. Donc, je dirais, ça peut être un moyen assez intéressant pour les entreprises québécoises d'entrer sur le marché canadien, de commencer par entrer dans un centre de décision qui est basé en Atlantique, parce que ça va être assez... Moi, je suis ici, je suis en poste depuis seulement novembre, puis j'ai notre attaché ici là, qui travaille avec des entreprises au moment où je suis arrivée. Et puis, en fait, le temps en novembre et maintenant, les contrats se sont signés. Il y a des produits qui sont maintenant sur les tablettes et il y a des possibilités que ce soit ajouté après ça dans des magasins hors Atlantique dans le reste du Canada. Donc, il y a vraiment quelque chose d'intéressant là, à travailler avec les provinces atlantiques. Et puis, ben ouais, c'est ça, je mentionnais là, l'avantage québécois d'être le voisin, je dirais entre guillemets, le gros voisin. On a une bonne réputation. Nos produits ont des bonnes réputations. Ils sont recherchés. Donc, tout à fait, là, il y a vraiment un avantage pour les entreprises québécoises d'être en Atlantique.
Madame Lefebvre, merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Tadros aussi. Et je rends la parole à Charles. C'est lui qui va poursuivre la discussion pour l'instant. Merci. Et merci. Merci, René. Merci, Catherine et Madame Lefebvre. Madame Tadros et Madame Lefebvre. Alors, écoutez, on a peut-être un ou deux commentaires dans le chat. N'oubliez pas, pour les participants, de lever la main si vous souhaitez poser une question. On a plusieurs commentaires sur le live shopping qui, effectivement, est de plus en plus tendance, hein, parce que ça ne coûte pas très cher. On embauche un influenceur, on se met sur les réseaux sociaux et on peut certainement générer un buzz beaucoup plus facilement qu'à l'époque de, comment ça s'appelait donc, téléachat à TVA là, avec Mme Mondou. C'est un petit peu plus compliqué que ça peut l'être maintenant avec les Facebook Live. Blague à part, on a un commentaire sur l'industrie du jouet qui a connu une croissance quand même intéressante là, selon notre participante qui est Mme Blais, si je ne me trompe pas. Oui. Donc on se demande dans quelle catégorie on classe les jouets, donc est-ce que c'est dans sport, livre, est-ce qu'il y a une autre classification? Parce que c'est une croissance qui est quand même intéressante, qui n'est pas celle de la construction, mais qui est quand même supérieure à plusieurs autres secteurs. Est-ce que vous avez des infos là-dessus, de votre côté? Moi, je tenterai, peut-être Catherine est mieux placée que moi pour répondre, mais je tenterai là, les biens généraux, en fait, qui est une catégorie un peu fourre-tout, là, qui, dans laquelle on trouve. Bien, en fait, j'imagine que jouets est une catégorie en soi, là, mais sinon. Je vais rester peut-être plus dans les produits généraux. Sinon, je ne sais pas, peut-être Agnès aussi pourrait réagir sur dans quelle catégorie exactement. Oui, en fait, ce n'est pas vraiment la catégorie, c'est le client final et les canaux de distribution. Donc, est-ce que les jouets sont dans des magasins spécialisés? Est-ce que c'est dans des grands détaillants? Donc, c'est vraiment comme ça qu'on va travailler avec les entreprises québécoises et savoir quel est le client final ou le destinataire ou les voies de distribution. La destination finale là, commande la catégorisation, d'accord. J'avais une question au sujet, peut-être pour Mme Tadros ou Mme Lefebvre, sur l'achat local, justement. Vous avez mentionné l'importance donc de mettre en valeur peut-être la feuille d'érable ou de mentionner qu'on est un produit canadien. Mais on sait que dans le Canada étant une somme de plein de nations, il y a quand même un peu de chauvinisme économique qui se fait parfois. Au Québec, on a beaucoup d'initiatives, le panier bleu et autres. Est-ce que dans les autres provinces, il y a des programmes ou des appellations comme ça qui ressortent et qui viennent restreindre un peu peut-être la définition de local? Est-ce que vous avez observé ça dans vos marchés? Je peux peut-être commencer. Oui, en fait, au Nouveau-Brunswick, il y a même le gouvernement actuel qui a lancé une politique d'achat local, surtout pour les infrastructures, les dépenses publiques en infrastructure. Donc, oui, il y a vraiment un mouvement. C'est un mot qu'on entend de plus en plus. Puis le nouveau premier ministre de la Nouvelle-Écosse, Ian Rankin, a aussi beaucoup parlé d'achat local parce qu'il y a une priorité qui est accordée de son côté à tout ce qui est développement durable. Par contre, ce que je dirais, c'est que le Québec en fait, peut d'une certaine manière être perçu comme étant de l'achat local ici en Atlantique, du moins. Là, je laisserai Catherine répondre pour son secteur. Mais je donne un exemple là, qui m'est arrivé, qui vous allez me dire c'est anecdotique, mais quand même, ça m'a fait réaliser qu'on pouvait quand même se présenter comme étant des produits locaux. En fait, je cherchais, quand j'ai déménagé ici, des produits locaux là, dans mon esprit autour de la région de Moncton. Je voulais en fait du fromage, pour être plus précise. Et quand j'ai demandé un produit local, on m'a proposé des produits, en fait, des fromages québécois. Donc, j'étais heureuse que nos produits se retrouvent sur les tablettes. Ça m'a fait réaliser que, dans le fond, on peut se positionner comme étant locaux. Là, il s'agit vraiment de penser à notre stratégie marketing puis à notre positionnement pour être inclus dans ce qui est l'achat local. Maintenant, il y a l'achat local très pointu. Puis ça peut aller d'acheter dans sa municipalité, après ça dans sa province, mais aussi l'achat local au sens canadien. Donc, je dirais qu'il y a plusieurs tableaux sur lesquels on peut miser là, à cet égard-là pour s'insérer dans des politiques d'achat local ou dans une vision d'achat local ou une demande d'achat local des consommateurs. Intéressant comme exemple, merci. Madame Tadros? Oui, bien,
je pourrais peut-être compléter, mais c'est vrai que tout ce qui est comme dépenses d'infrastructure, etc., ça, c'est quelque chose qu'on va suivre de près. C'est normé dans notre accord de libre-échange canadien. On travaille avec une collègue qui est responsable de ce dossier au ministère de l'Économie et de l'Innovation pour, bien sûr, protéger notre accès au marché public canadien. Donc, ça, c'est comme un dossier à part qu'on suit, puis en espérant qu'il ne soit pas trop menacé, mais en tout cas, il est bien normé, puis on va réagir en temps et lieu. C'est sûr que toutes les provinces veulent mettre de l'avant leurs propres produits, notamment l'Ontario, qui a une campagne de produits faits en Ontario, etc. Mais il reste qu'au Québec, on a une belle variété de produits qu'on ne retrouve pas partout ailleurs, puis notamment dans l'Ouest canadien où il y a certaines économies, quand on pense à l'Alberta, etc., qui essaient de développer son secteur manufacturier, mais il n'est pas rendu au niveau du Québec ou de l'Ontario. Alors, il y a quand même des produits qu'ils n'ont pas. Et c'est pour ça que moi, je suis vraiment vendue à l'idée de si vous vous présentez comme un produit canadien, il va avoir des clients partout au Canada parce qu'on a une belle variété de produits à offrir puis que les gens sont plus... je veux dire, la tendance, c'est d'acheter canadien quand même. Il y a des petites campagnes pour acheter plus local encore, mais canadien, ça a la cote, ça, c'est sûr, dans l'Ouest canadien puis en Ontario. Donc... des belles opportunités. Parfait, excellent, merci. Puis on a un participant qui nous mentionne qu'il existe un site pour identifier, donc c'est fait ici, entre autres dans les matériaux de construction et la quincaillerie, donc le site ici-here.ca. Donc ici-here.ca. Puis la quincaillerie, c'est un bon exemple parce que nous, on est en contact avec Home Hardware qui, eux-mêmes, avant la pandémie, c'était des produits canadiens qui voulaient. Canadian Tire aussi fait un effort de vraiment avoir plus de produits canadiens sur leurs tablettes. Puis quand on parle aux grands détaillants, ils ne nous mentionnent pas nécessairement la province, peut-être parce que c'est des détaillants aussi qui vendent partout au Canada. Mais ça, c'est... le critère, c'est... produit au Canada, ça, c'est ça qu'on nous demande. Alors, c'est l'opportunité. Alors, on va poursuivre notre programmation donc avec Mme Agnès Gatignol, donc, qui est directrice export marché canadien chez Investissement Québec International. Et ne le prenez pas personnel si je vous interromps à 13 heures pour notre minute de silence. Mais d'ici là, prenez votre temps, Mme Gatignol. Bien, merci beaucoup. Donc, bonjour à tous. Bon, je vais essayer de partager mon écran avec vous. Voici. Donc, j'ai la tâche aujourd'hui de vous présenter, en fait, l'accompagnement offert par Investissement Québec International. Vous avez eu le plaisir d'entendre Mme Tadros et Mme Lefebvre sur tous les services et l'accompagnement que vous avez sur place et tout le travail qui est fait par nos équipes économiques dans les bureaux du Québec, dans le reste du Canada, pour accompagner les entreprises. Mais cet accompagnement démarre au Québec avec les équipes d'Investissement Québec International et en particulier avec l'équipe de la Direction Canada, donc que je dirige. Notre rôle chez Investissement Québec, c'est vraiment d'aider les exportateurs à prendre les meilleures décisions stratégiques et à réussir la mise en œuvre de leurs projets sur les marchés Québec. Donc, c'est vraiment de travailler ici au Québec avec vous pour mieux connaître, pour vous aider à mieux connaître vos marchés, à diversifier votre clientèle et à établir un réseau d'affaires mondial performant. On parle de réseau mondial performant, mais mondial ici, c'est canadien, donc c'est le réseau national. Vous allez pouvoir bénéficier grâce à notre accompagnement et au travail qui est fait par les équipes dans les bureaux de vraiment tout le réseau d'affaires. Maud André vous l'a dit, c'est des gens qui sont recrutés localement, donc qui ont déjà un réseau d'affaires, qui sont là depuis de nombreuses années, qui sont là pour identifier des clients potentiels pour vous et saisir des occasions, être à l'affût des grands projets, des grandes orientations locales auprès de donneurs d'ordre.
Donc, Investissement Québec International, vous le savez, depuis le mois de juin, c'était les équipes d'Export Québec qui ont au ministère de l'Économie qui ont été rattachées à Investissement Québec. Ça donne ainsi que les équipes du réseau régional et du CRIC. Donc, ça donne à Investissement Québec et en particulier pour le niveau international une force de frappe et une force de travail et de collaboration multiples qui sont à votre service. Donc, comment on fait pour avoir accès au bureau, pour pouvoir avoir accès à différents services? C'est vraiment de rencontrer l'équipe d'Investissement Québec qui est à Montréal, l'équipe Canada. C'est de présenter votre projet, d'avoir des premières rencontres avec donc le conseiller spécialisé en exportation qui va vraiment mieux apprendre à vous connaître, à connaître vos produits, vos services, vos technologies, à mieux comprendre qui sont vos clients finaux. Je le disais un peu plus tôt, c'est vraiment la destination puis les modes d'accès au marché qu'on va analyser avec vous pour mieux vous orienter. Bien sûr, le fait qu'on soit au centre de tout l'écosystème ne veut pas dire qu'on soit tout seul. On travaille avec beaucoup de partenaires. Vous allez avoir la chance d'entendre Madame Brassard un peu plus tard vous présenter ses services. On a aussi le réseau régional pour tout ce qui est le développement de votre entreprise. Vous avez besoin de certification, de réponse sur les normes. Il y a IQCRIC qui est disponible aussi. On travaille bien entendu avec le ministère de l'Économie et de l'Innovation, avec pour tout ce qui est stratégie sectorielle et avec nos collègues qui sont dans les bureaux du Québec, dans le reste du Canada ou ailleurs dans le monde, puisqu'on a en tout 33 représentations un peu partout dans le monde qui sont vraiment à votre disposition pour vous accompagner. Donc, comment on fonctionne? C'est vraiment, on est l'équipe Canada au cœur de votre démarche et à partir de là, on va travailler avec vous pour vous orienter vers les différents bureaux, vers la meilleure ressource disponible pour vous accompagner dans vos projets. Dans nos services d'accompagnement, je vous le disais un peu plus tôt, c'est à la fois des conseils sur les occasions d'affaires, la culture, les pratiques, la concurrence et les stratégies d'entrée, de l'aiguillage vers les financements de projets, vers la conformité de produits, vers les exigences normatives et un appui au repérage de clients et de partenaires potentiels, à la planification de rencontres d'affaires et du soutien à l'implantation commerciale. Donc, on le fait toujours en collaboration étroite avec nos collègues dans les bureaux du Québec. Donc, quel type d'accompagnement et d'offres on a? On a effectivement beaucoup d'accompagnement individualisé. Donc, c'est vraiment de travailler directement avec vous, de bien comprendre et de travailler avec le conseiller ou l'attaché économique dans le bureau ou le territoire que vous visez ou les territoires que vous visez, pour identifier des clients potentiels et organiser des rencontres et être vraiment la porte d'entrée. Et on est vraiment là pour vous aider à ouvrir des portes. On organise aussi des activités de groupe, que ce soit des présentations plus générales sur les marchés, sur les occasions d'affaires. On en a beaucoup parlé sur les accueils d'acheteurs. Donc, on fait venir au Québec des grands donneurs d'ordre pour vous rencontrer. Et on organise aussi des missions commerciales. Donc, nous aussi, on a adapté nos produits dans les derniers mois ou nos façons de travailler. On s'est doté de plateformes virtuelles pour organiser des missions commerciales virtuelles, pour organiser des rencontres d'affaires virtuelles aussi confidentielles et sécurisées. Donc, on offre toute cette panoplie de services. Dans les prochaines semaines, on va finaliser la programmation pour l'année 21-22. Et à ce moment-là, vous pourrez la suivre sur les réseaux sociaux et sur les sites Internet du ministère de l'Économie ou d'Investissement Québec. Donc, vraiment, je vais vous arrêter si vous voulez bien, Mme Gatignol. Alors, tel que mentionné au début de la rencontre, je vous invite à observer donc une minute de silence pour rendre hommage aux 10 500 Québécois qui nous ont quittés dans la dernière année. Merci.
merci et je vous laisse poursuivre. Oui, donc je vais repartager. Bon, je peux pas. Excusez-moi. Donc vraiment, c'est ça, c'est d'identifier, on le disait un peu plus tôt, quel est votre secteur de votre clientèle, sur quel territoire vous travaillez et quel type de projet vous avez. Donc, je voudrais terminer sur le plan d'action pour la relance des exportations qui a été annoncé le 3 mars dernier par M. Fitzgibbon et Mme Giraud en collaboration entre le ministère de l'Économie et Investissement Québec, le secrétariat québécois à la relance relations canadiennes, pardon, et le ministère des Relations internationales. C'est un plan d'action autour de trois axes qui vise à soutenir les entreprises et à vous aider à concrétiser vos projets d'exportation. Je voulais le mentionner parce qu'il y a eu des actions plus spécifiques pour une aide financière bonifiée qui sera à partir de l'été 21, donc l'ancien programme PEX qui a été bonifié. Il y a des fonds supplémentaires qui ont été mis en route, en disposition pour les entreprises et juste souligner l'importance des marchés canadiens pour le gouvernement et pour les entreprises. C'est un marché pour lequel on a beaucoup d'espoir et d'attente, où il y a beaucoup d'affaires à faire. Et dans cette optique-là, Investissement Québec a créé la Direction Canada et a mis dans son plan d'action pour la relance une mesure spécifique pour soutenir davantage les entreprises sur ces territoire. Donc, pour tout ce qui est le commerce de détail et les biens de consommation, je ne l'ai pas mentionné un peu plus tôt, mais il y a même deux conseillers dédiés pour vous accompagner dans vos démarches. Donc, c'est Gabriel Conéa et Claudia Lambert et qui se répartissent les sous-secteurs du commerce de détail selon les territoires États-Unis et Canada. Donc, merci beaucoup. Merci, Mme Gatignol. Donc, avant de céder la parole à Mme Brassard, donc je pense que vous avez bien fait la démonstration que vous êtes vraiment la porte d'entrée donc, pour les entreprises québécoises qui souhaitent aller sur le marché canadien. Donc, on a eu l'occasion d'en parler dans les précédents webinaires. Mais donc, vous et votre équipe là, êtes vraiment le point de contact, je vous dirais, privilégié là, en début de processus. Est-ce que je résume bien la chose? Et tout à fait. Donc, on est le point de contact. Et puis, selon l'étape de développement, et puis je passerai la parole ainsi à Mme Brassard, selon l'étape de développement de vos projets, l'état de maturité, donc soit on va travailler directement avec vous, soit on va parfois vous renvoyer du côté du réseau régional des organismes de promotion des exportations pour vous aider à peaufiner votre plan d'affaires à l'international et à mieux identifier vos marchés prioritaires. Excellent. Alors, parlons-en tout de suite de ce fameux réseau régional, donc avec Mme Nadine Brassard, qui est présidente de Commerce international Québec. Alors, Nadine. Merci beaucoup. Quelle belle entrée en matière pour débuter ma présentation. Merci beaucoup, Mme Gatignol, pour cette introduction et cette mise en place du réseau. Toujours intéressant là, de voir, j'aime beaucoup la formule de cette activité du commerce interprovincial où on a à chaque activité l'opportunité de pouvoir en apprendre plus sur des secteurs spécifiques. Donc, merci à tous ceux qui ont parlé avant moi là, pour avoir donné ces informations tout aussi pertinentes. Et aussi, cette activité nous permet de vraiment voir tout l'écosystème qui est en place pour aider les entreprises qui veulent développer les marchés canadiens. Donc, c'est sûr qu'en tant qu'entreprise de votre côté, si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce que l'exportation, ça devient important dans votre croissance d'entreprise. Mais souvent, vous vous demandez par où commencer, qu'est-ce que je dois faire et tout ça. Bien, ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, c'est de vous résumer justement de façon brève et concise comment les ORPEX peuvent vous aider à mettre votre stratégie en place puis développer les marchés hors Québec. Les ORPEX, qu'est-ce que c'est premièrement Commerce international Québec? Commerce international Québec, c'est le réseau des organismes régionaux de promotion des exportations. Vous ne connaissez peut-être pas le mot ORPEX. Par contre, vous reconnaîtrez peut-être sur la map à l'écran actuellement l'un des logos de l'organisme qui couvre votre territoire. Depuis plus de 20 ans, les ORPEX ont au centre de leurs actions la PME, puis ont pour mission d'accompagner et d'outiller les PME dans leur développement de marché et avec des services qui sont adaptés aux régions et à la réalité des entreprises. Si vous ne savez pas qui est l'ORPEX de votre territoire,
Je vous invite à aller sur le site de ciquebec.ca avec votre code postal. Vous pouvez rapidement identifier qui est l'organisme qui peut vous aider là-dedans. Un peu plus concrètement, vous voyez sur la diapositive à l'écran différents obstacles que vous pouvez rencontrer dans le cadre d'une démarche à l'exportation. Que ce soit pour protéger votre propriété intellectuelle, s'adapter à la culture d'affaires, déterminer la stratégie appropriée, bien, les ORPEX sont présents sur le terrain pour pouvoir vous diriger au bon endroit puis vous accompagner pour pouvoir accélérer vos démarches vers les marchés d'exportation que vous visez. Concrètement, pourquoi vous devriez travailler avec votre ORPEX? Comme Mme Gatignol l'a mentionné juste avant moi, bien, c'est sûr qu'on est là pour vous aider à travailler votre stratégie. Donc, ce qu'on va faire au départ, c'est qu'on va réfléchir, on va essayer de comprendre les besoins de votre entreprise, où vous en êtes rendu, quels produits vous visez pour l'exportation, pour pouvoir après ça cibler le bon marché et évaluer le potentiel de votre marché dans les marchés hors Québec et ailleurs dans le monde, c'est possible, mais dans ce cas-ci, c'est plus pour le reste du Canada. Donc, on va évaluer le potentiel de marché, quel marché vous devriez le plus visé. C'est sûr qu'on travaille toujours ça en collaboration avec les différents partenaires là, pour pouvoir s'assurer d'avoir l'information la plus pratique pour vous. Donc, comme je disais tout à l'heure, vous avez une belle opportunité de voir qui sont tous les partenaires avec lesquels on peut travailler aujourd'hui. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va élaborer une stratégie claire. Donc, on va déterminer un plan d'action avec une stratégie pour pouvoir développer et commercialiser les marchés visés. On va aussi vous référer vers les bons partenaires, puis vous aider justement pour s'assurer que vous allez agir et réaliser votre plan d'action que vous avez monté dans un objectif ultime de pouvoir réussir votre commercialisation hors Québec. Donc, nous, ce qu'on va vous aider, c'est à être mieux préparé pour pouvoir développer les marchés. Donc, sur ce, je ne prends pas plus de temps, puis je vous souhaite bonne chance dans vos démarches et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Merci, Mme Brassard. Alors, je redonne la parole à René. Tu es sur mute, René. J'arrive. Après un an de pandémie, on est encore incapable de comprendre ce que micro ouvert ou fermé. Après, on va finir par y arriver en espérant qu'on n'ait pas à le faire encore trop souvent, trop longtemps, puisqu'on y a on disait d'entrée de jeu, il y a quand même un peu d'espoir à l'horizon, on l'espère tout au moins. Mais là où ça continue à rouler, c'est sur ces ouvertures de marché qui se sont prolongées pendant cette période un peu instable tout de même. Et là, pour voir de quelle façon, et simplement à titre d'exemple, on a pu entrer sur des marchés hors Québec à l'intérieur du contexte canadien. J'ai le plaisir de vous présenter deux personnes d'affaires, disons-le ainsi. Madame Aude Saint-Pierre-Gagné, qui est directrice des ventes et conseillère technique chez Gantry BCL Limité, et Mme Vicky Boudreau, qui est chef de la direction et partenaire fondatrice de Bicom. Et je vais commencer avec vous d'abord, Mme Saint-Pierre-Gagné. Dans un premier temps, toutes les deux, je vais vous demander à tour de rôle de présenter l'entreprise, mais en même temps de présenter la stratégie que vous avez pu utiliser pour justement vous tailler une part de marché à l'extérieur du Québec, que ce soit vers l'est ou vers l'ouest. Mme Saint-Pierre-Gagné d'abord. Bien, en fait, nous, on est la Gantry BCL, on est manufacturier importateur par partenariat justement outre-mer pour pouvoir compléter notre gamme de produits de gants de travail. Alors, on a longtemps été dans le gant de cuir et puis on s'est diversifié puisque tailleurs et couturières se sont déplacés vers la retraite. Alors, aujourd'hui, on fait des gants de tricot qui sont faits de fibres très spécialisées pour rencontrer la demande, surtout pour contrer contre le froid et unifuge aussi pour contre le feu. Alors, chez nous, ce qu'on fait, notre approche, c'est vraiment aller pour l'approche personnalisée. Alors, c'est des gens aussi qu'on réussit à avoir des bons contacts qui sont très intéressants à développer avec, pour ma part, les provinces atlantiques. Et vous êtes basé à quel endroit? On est à Saint-Pacôme, dans le Bas-Saint-Laurent. Ah ben oui, tout à côté de la Pocatière. À l'entrée du Bas-Saint-Laurent, il y a déjà un cousinage avec les provinces atlantiques. Est-ce que, justement, cette proximité dont Mme Lefebvre nous parlait un peu plus tôt a pu vous servir? Absolument.
En plus, on est assez choyé côté. Notre entreprise, en fait, c'est une entreprise familiale. Mon patron étant mon père, ma mère, sa conjointe, provenant en fait de Dalhousie, dans le nord de la province du Nouveau-Brunswick. Alors, j'ai de la famille là-bas, des oncles, des tantes, des cousins, cousines. Les ramifications se prolongent dans la région de Moncton. Puis, on a aussi un pied à terre qui nous a permis d'alimenter cette facilité-là à justement entrer en contact avec les gens. Je suis déménagée dans la province du Bas-Saint-Laurent dans la période des fêtes. Alors, le 27 décembre, j'ai quitté la province du Nouveau-Brunswick. J'ai habité quand même 4 ans, 6 ans en fait à Moncton, 6 ans à Bathurst, Nouveau-Brunswick, ce qui nous a grandement aidé aussi à développer le commerce dans cette région. Eh bien, c'est une stratégie personnalisée, appelons ça ainsi. Madame Boudreau, je me tourne de votre côté. C'est un patronyme acadien, Boudreau, en partie. Oui, tout à fait, de Havre-Saint-Pierre sur la côte nord. Donc, une vraie famille acadienne. La famille dans les provinces atlantiques. Comment vous avez pris d'autres, utilisé d'autres atouts, d'autres avantages pour vous ouvrir des marchés à l'extérieur? D'abord, et revenons en arrière, est-ce qu'on peut savoir ce qu'est Bicom? Oui. Et chez vous, comment vous avez procéder pour aller développer des parts de marché? En fait, nous, on est une entreprise de services, on est une agence de communication intégrée, donc on va faire de la relation de presse, marketing d'influence, gestion de communauté, création de contenu, stratégie numérique. Notre but premier, c'est de faire rayonner nos clients de toutes sortes de façons. Puis la façon dont on a fonctionné, notre siège social est et demeure à Montréal. Depuis 15 ans, mon associé Marlène et moi avons cofondé cette agence. Puis, on a un bureau à Toronto depuis maintenant 5 ans. Au départ, on travaillait avec des partenaires basés à Toronto pour couvrir l'ensemble du territoire canadien avec nous. On n'a jamais trouvé pardonnez mon manque de vocabulaire, mais le meilleur fit qui allait mettre le service client au devant sans compter les heures, qui allait faire tout en son possible pour que les résultats, pour dépasser les résultats, tout ça. Puis on en parlait souvent. Puis moi, je suis plus une fille d'idées. Puis ma partner, elle est vraiment c'est une fille d'action. Donc à un moment donné, elle a pris l'avion, elle est allée visiter des locaux. Puis je lui disais souvent, on n'a pas. J'ai présenté devant des clients avec une équipe de Toronto qui m'a invitée, mais tu sais, je n'étais pas dans la bonne équipe. Si j'avais été toute seule, je sais que je l'aurais eu. Puis elle était comme, OK, on s'en va ouvrir un bureau. Fait que finalement, on a ouvert un bureau. Au départ, on était dans un espace. Un espace partagé sous forme de coworking. Puis rapidement, le volume d'affaires justifiait le fait qu'on ait nos propres bureaux. Donc, ça s'est fait par étapes, je dirais. Puis aujourd'hui, ce serait impensable de retourner en arrière, là, de ne pas être en mesure de desservir les clients nationaux qui nous font confiance. Ben justement, quels sont les avantages, et prenons votre exemple, votre cas, les avantages à justement investir ces marchés à l'extérieur du Québec? Il y a des avantages inévitables. Vous avez parlé du fait que vous vouliez être proche de vos clients éventuels. Est-ce que c'est encore comme ça aujourd'hui, l'important d'être sur place? Oui, tout à fait. Puis dans notre cas, on regarde beaucoup les sièges sociaux des entreprises avec lesquelles on veut collaborer. Où sont-elles situées? Donc, à Montréal, heureusement, il y a plein de magnifiques entreprises qui sont ici ou au Québec, devrais-je dire, partout en région également. Puis à un certain moment donné, on trouvait que si on voulait continuer d'évoluer, nous, c'est beaucoup dans les biens de consommation, donc la mode, la beauté, l'alimentation aussi, etc. Donc, si on voulait continuer de croître, on n'avait pas le choix d'aller à l'extérieur. Puis, il y a énormément de sièges sociaux dans la région de Toronto. Donc, ça devenait un incontournable. Puis, le fait qu'on provienne du Québec, comme on le sait, pour une multitude de raisons, qui est un territoire atypique pour le reste du Canada ou le Canada anglais, comme on devrait le dire, ça nous place dans une super bonne position parce qu'on vient de remporter un énorme appel d'offres. Là,
donc je dois taire jusqu'à signature du contrat la nature, mais le fait qu'on était du Québec, mais qu'on était hyper solide à travers le Canada, je suis convaincue que ça l'a joué en notre faveur parce qu'on est comme un animal intrigant pour eux. Ils veulent venir au Québec, mais il y a une multitude de lois, la traduction des documents, etc. Notre microcosme où on élève des célébrités à la Véronique Cloutier qui sont moins connues ou inconnues si on dépasse la frontière. On a vraiment notre petit village gaulois attire la curiosité. Puis pour plusieurs grands joueurs qui sont basés à Toronto, ils ont un énorme volume d'affaires au Québec. Donc, on est comme dans une belle position. L'intermédiaire qui vous permet d'aller chercher un gros contrat, on ne vous questionnera pas là, davantage, ce ne sera pas un hot seat, pas une expression. Mais on vous félicite quand même. Ben, merci bien. Je reviens vers Mme Boudreau. Je pense connaître l'entreprise à Saint-Pacôme pour y être allé dans ce secteur-là quelquefois. J'imagine que le fait d'avoir une entrée du côté du Nouveau-Brunswick et des provinces atlantiques en termes de taille éventuelle pour augmenter justement, pour développer l'entreprise, ça ne doit pas quand même être banal, pas marginal. Oui, en fait, c'est évidemment chose difficile on va dire, moi j'appelle ça souvent racler le territoire, fonder l'intérêt, se faire connaître davantage. C'est sûr que j'ai utilisé mes outils familiaux en parlant de ma région, en parlant aussi même de mon conjoint qui vient de la péninsule acadienne. C'est souvent avec des ramifications comme ça qu'on va réussir à accrocher les gens d'un côté plus personnel. Mais comme Mme Lefebvre disait plus tôt aussi, c'est pas un marché qui est immense et souvent ils sont négligés. Alors, ils ne reçoivent pas toute l'attention qu'ils auraient besoin de recevoir. Alors, le fait de les approcher avec une facilité avec la langue anglophone, et francophone aussi, parce qu'il y a quand même une belle portion de population qui n'est pas nécessairement bilingue, soit seulement anglophone ou soit seulement francophone. Et souvent, les francophones vont perdre du service comparativement aux anglophones, puisqu'on se dit, tout le monde est bilingue, tout le monde parle anglais, c'est la loi, pas la loi, mais la langue du commerce. Alors, souvent, les personnes qui parlent français n'ont pas ce service au parler, mais aussi au côté écrit, promotionnel, etc. Alors, nous, on offre ces deux facettes-là aussi, que je me suis rendu compte que les gens du Nouveau-Brunswick apprécient énormément. Puis on voit aussi dans les endroits où il y a moins d'anglophones, justement, ces gens-là sont tellement contents et reconnaissants d'avoir ce service-là. Alors, on accroche facilement ces personnes-là. J'ai commencé à travailler les provinces atlantiques en 2018. Puis, justement, avec l'aide de l'attaché économique, M. Pierre Martin, on a réussi à avoir des très belles listes d'entreprises intéressantes à sonder. Puis à partir de là, on a quand même réussi en une seule année à augmenter notre chiffre d'affaires de 54% dans cette région-là. Alors, on est suivi quelques défis comme un bébé dans la famille, ensuite la COVID, mais quand même, on n'abandonne pas. Et puis, l'avenir est vraiment gage de succès, puisque aujourd'hui, j'appelle mes clients que je parle autant distributeurs qu'utilisateurs qui ne vont pas nécessairement acheter directement chez nous, mais à qui on offre un très bon service d'accompagnement pour la santé et sécurité, s'accroche à nous et on devient des beaux partenaires pour faire croître toutes nos entreprises. Vous avez parlé d'un enjeu tout à fait personnel, c'en est un, on ne peut pas le sous-estimer quand même. Bon, je ne vous demanderai pas comment celui-là vous l'avez surmonté, probablement très bien, vous êtes très souriant. Mais de façon générale, quand on ouvre comme ça, vous l'avez dit, là, vous avez quand même un pied, si je peux me permettre, là, dans chacune des provinces. Est-ce qu'il y a d'autres défis? Est-ce qu'il y a eu des moments déterminants qui ont servi de déclic et où vous avez dû mettre en place des solutions pour vous permettre justement d'en profiter et non pas d'être impacté? La question est bonne. Je suis un peu bouche bée, je te dirais. C'est côté relationnel, sincèrement, j'ai trouvé ça assez facile d'approche avec les provinces atlantiques. Je suis même contente d'avoir ce secteur-là
étant donné, comme je disais, le manque de services, pas nécessairement le manque de services, mais la diminution de l'offre comparée à d'autres entreprises comme celle de Montréal. C'est sûr, je m'appelle bien l'anglais, ça aurait pu être un autre embûche, mais je trouve ça assez simple et très intéressant, je dirais. Vous avez profité de l'ouverture, autrement dit. Exactement. Est-ce que ça a été pareil du côté de Toronto, Mme Boudreau? Est-ce qu'il y avait là vraiment une sorte de vacuum dans lequel vous avez décidé d'occuper en utilisant ce qui pourrait être vos atouts sur place? En fait, il y a un exercice que j'ai trouvé des apprentissages clés qu'on a fait dans les dernières années, c'est que On a, premièrement, c'est notre business, c'est notre bébé, on est collé dedans, des fois très, très proche. Puis, on connaît un certain succès au Québec, on a des grandes multinationales qui nous font confiance, on est en croissance depuis le début, ça va bien. Fait que là, on arrive à Toronto avec toute cette confiance-là, avec. Ça a été, honnêtement, ça a été un petit peu plus long avant de prendre de la vitesse. Puis, tu sais, on devient confortable comme entrepreneur quand notre business arrive à une certaine taille. On a une certaine reconnaissance. On est comme habitué à ça. Puis là, il fallait vraiment repartir de zéro. Puis, ce que je trouve qui a été un petit défi, c'est que l'avantage concurrentiel qu'on a ici au Québec, ce qui plaît aux clients québécois, c'est pas la même chose qu'à Toronto. Qu'on était obligé de prendre un peu de recul, puis on a travaillé avec des gens, avec des consultants là-bas qui nous ont dit, vous mettez jamais l'emphase sur le fait que vous êtes complètement bilingue, par exemple. Puis pour nous, c'est le minimum, donc c'est pas quelque chose qu'on mettait de l'avant. Et ensuite, à Toronto, il y a énormément de reconnaissance dans mon industrie, dans les agences créatives, d'avoir gagné des prix, c'est très à propos du prestige, etc., tandis qu'à Montréal, on est un peu moins là-dedans. Donc, ce que j'ai fait, un de mes trucs, c'est que je suis allée chercher, je ne me suis pas inscrite à tous les concours parce que ça demande beaucoup de temps et c'est très demandant financièrement aussi. Là. Je suis allée télécharger les formulaires d'inscription des concours de mon industrie et je me suis dit, c'est quoi les critères? Qu'est-ce que les gens considèrent comme une valeur ajoutée là-bas? Puis, j'ai puisé là-dedans pour ajuster certaines choses qu'on faisait. Puis, c'est surtout, je ne pense pas que c'est la qualité de notre travail ou la force de notre réseau, mais c'est vraiment quel attribut je dois mettre de l'avant pour convaincre un client à Toronto par rapport à un client à Montréal. C'est vraiment deux mondes. Puis, on a des clients aux États-Unis, puis ça, c'est une autre chose aussi, tu sais. Donc, il faut vraiment étudier qu'est-ce qu'ils ont besoin, mais la façon d'approcher aussi. Madame Saint-Pierre Gagné nous a parlé du soutien du Bureau du Québec, notamment M. Marquis. On en avait d'ailleurs parlé un peu plus tôt avec la présentation de Mme Lefebvre. Est-ce que vous avez reçu également, vous avez parlé de consultants, est-ce que vous avez reçu du soutien d'organismes, de ressources sur place, les bureaux du Québec ou autres qui vous ont accompagné dans votre ouverture, dans votre percée des marchés extérieurs? Et si je peux me lancer, moi, une des stratégies qu'on a adoptées, c'est une qu'on fait avec nos clients, c'est le marketing d'influence. Je me suis dit, qui à Toronto, pendant que je suis à Montréal, moi aussi j'ai deux jeunes enfants, là, pendant que je suis ici, qui peut faire ma job de PR sur le terrain? Donc, j'ai identifié des expats montréalais. Souvent, quand les gens quittent pour Toronto, c'est que c'est des gens qui sont carriéristes, qui ont atteint des niveaux décisionnels dans les entreprises. À chaque fois que j'allais à Toronto pour le travail, je prenais le temps de prendre un café avec eux, puis de les emballer à propos de mes projets en Ontario, puis de leur expliquer ce que je faisais. Puis ces gens-là sont devenus des ambassadeurs naturels pour nous sur le terrain. Et ensuite, le Bureau du Québec à Toronto a été vraiment d'un appui important. À la base, j'avais l'impression que, puis ça va avec le Bureau du Québec à New York aussi qui nous aide, les outils en place de base pour les entreprises de services, c'est moins quelque chose avec lequel ils sont familiers, mais on a travaillé ensemble avec Anis Wannes, entre autres, puis toute l'équipe avec Catherine, à monter une conférence pour les clients ontariens, comment craquer le marché québécois. Donc là, j'ai pu parler de notre microcosme des influenceurs, de nos célébrités, de l'importance de faire affaire avec des partenaires locaux au Québec pour les services, etc. Puis à cet événement-là, je ne sais pas si c'est le fait que c'est le bureau qui envoyait les invitations, mais on avait Home Depot, Coca-Cola, Uniqlo, on avait l'équipe de Campari, les alcools, et tout le monde s'était déplacé en personne à l'époque, il y a un an et demi.
s'était déplacée en personne pour nous entendre. Puis j'organise des événements avec mon équipe dans la vie. Là, le taux de réponse de cet événement-là était magique. Et j'ai envoyé un petit courriel ensuite pour signaler à l'équipe combien j'avais signé en dizaines de milliers de dollars grâce à cet événement-là. Ça, vrai, pour moi, puis j'en parle à tout le monde, c'est peut-être pourquoi on m'a demandé de participer aujourd'hui. Je trouve que la part des bureaux du Québec des autres provinces est méconnue. Puis ça vaut vraiment la peine. Puis tu sais, des fois, si vous écoutez la conférence aujourd'hui, puis vous dites « Ah, c'est pas vraiment ça que je fais, je suis pas sûre que ça s'applique à moi », prenez le temps de chercher un peu puis d'avoir une discussion parce qu'ils sont vraiment là pour nous aider. Puis en plus, c'est accessible dans la mesure où c'est gratuit. C'est gratuit grâce à des impôts ou des taxes. Mais oui, c'est exact. Bien. J'allais pas le dire, mais on le paye. Fait que profitez-en. Mais c'est un bon retour sur l'investissement. Vous devancez déjà une question que je vais vous poser à la fin, en termes de conseils que l'on pourrait recevoir de votre part. Mais je vais revenir du côté de Mme Saint-Pierre Gagné. Justement, vous avez parlé, vous, du soutien du Bureau du Québec dans l'Atlantique avec M. Martin. Ceci dit, j'imagine que le fait de faire appel à leur service, c'est entre autres ce qu'on peut retenir de votre expérience d'ouvrir et d'aller explorer ces marchés. Entre autres. Oui, ben entre autres, oui, en fait, c'est bien ça. C'est sûr qu'on a travaillé ensemble par des appels, des courriels, des suivis de situation. On a justement dans l'industrie au Nouveau-Brunswick, il y a des plus grands joueurs. Nous, c'est sûr qu'on vend moins dans des endroits où justement il va y avoir des biens étiquetés puisqu'on est manufacturé et on vend plutôt on vend des gants de travail alors que ça se vend à la dizaine, à la douzaine. Des caisses, c'est plutôt des grands revendeurs qui vont, des grands distributeurs qui vont vendre justement des grandes quantités. Mais par contre, on a réussi justement à travailler avec des personnes un petit peu plus difficiles d'accès. Je ne sais pas trop à quel point qu'on peut nommer les noms, mais en tous les cas, on travaille encore fort ensemble pour augmenter on a eu une ouverture de compte, on a eu des rencontres, on a encore aujourd'hui des rencontres avant Noël, des nouveaux produits à présenter, les équipes de représentants sur le terrain ont de plus en plus de produits en leurs mains de chez nous, en fait, qui présentent à leur clientèle. Puis on a beaucoup de références justement pour aider nos clients à avoir le meilleur fit côté confort, sécurité, puis dans le but de enfin, d'améliorer la qualité de vie de tous nos grands travailleurs canadiens. Puis, ça a mordu à l'hameçon et on est vraiment content puisqu'on rentre de plus en plus dans des gros organismes. Ça prend beaucoup de temps à séduire l'utilisateur et faire adapter nos produits, mais tout de même, ça avance. Puis, c'est vraiment très intéressant. Persistance, ténacité et qualité du produit. J'imagine que c'est une équation qui vaut pour vous comme pour d'autres. Et justement, on a un auditoire de gens d'affaires qui regardent comment vous avez fait. Évidemment, ce sont toujours des expériences particulières, mais dont on peut s'inspirer. Alors, précisément, quel genre de conseils vous pourriez partager avec ceux et celles qui nous écoutent de manière à ce qu'ils puissent également faire leurs preuves à l'extérieur du Québec? Souvent, on part toujours en tête avec ce qu'on a. Par contre, pour séduire justement autrui, comme disait Vicky, si je peux t'appeler de ton prénom, les gens n'ont pas tous le même besoin. Souvent, on va se dire « Ah, moi, je vais donner le service que moi, j'ai le goût d'avoir », mais ce n'est pas nécessairement ça, parce que l'autre personne n'est pas nécessairement comme nous et ne veut pas nécessairement exactement ou n'a pas les mêmes besoins exactement. Alors, quand je m'approche avec mes clients, j'ai quasiment le goût de dire mes équipes de l'Atlantique parce qu'on développe une certaine appartenance. En fait, je vous propose et je vous suggère d'y aller avec qu'est-ce que vous vivez, qu'est-ce que vous utilisez, qu'est-ce que vous avez besoin, qu'est-ce que vous aimez et vraiment y aller avec qu'est-ce qu'ils ont tout de suite. Êtes-vous satisfait de ça? Avez-vous... C'est quoi vos défis, vos équipes, vos travailleurs, qu'est-ce qu'ils vous disent? Et y aller à partir de ça. Ensuite, analyser vraiment leur environnement, leurs besoins, puis ensuite revenir avec une suggestion d'accompagnement pour justement satisfaire leurs besoins. Puis c'est là qu'ils nous reviennent très contents, très reconnaissants aussi du temps qu'on passe, puisque le service est doublement personnalisé et répond vraiment à leurs besoins. Alors, moi, c'est comme ça que je vous suggérerais d'y aller demander et explorer quels sont les besoins
d'abord avant d'offrir ce que vous pouvez offrir. Et avec du sur-mesure, comme vous l'avez dit, en bonne partie dans ce cas-ci. Je ne sais pas si c'est ainsi, Madame Boudreau, que vous pouvez résumer votre propre expérience par rapport à ce que vous pourriez offrir à, donc à notre auditoire de ces conseils que vous seriez assez généreuse de nous présenter, puisque c'est un peu ainsi que généralement on termine ces entretiens. Mais moi, ce que j'aurais envie de vous dire, c'est attendez pas d'être prêt à 100 % parce que vous savez pas comment ça va se passer. Tu sais. Je pense qu'il faut être, justement d'avoir des discussions avec les bureaux du Québec qui vont vous donner de l'intelligence de marché, d'essayer des choses, de contacter peut-être des acheteurs potentiels dans votre secteur, des fois par LinkedIn ou autrement. Mais il faut se lancer. Il ne faut vraiment pas attendre parce que comme le disait Aude tout à l'heure, tu sais, des fois, c'est des processus qui sont très payants, mais qui peuvent être un peu plus longs. Il y a des relations un petit peu plus longues à établir. Puis quand ce sera possible aussi, déplacez-vous, allez voir dans les commerces, allez découvrir peut-être des petits détaillants indépendants par qui vous pouvez assurer une présence pour débuter. Tu sais, il faut être proactif, mais il ne faut surtout pas attendre d'être prêt à 100 % parce que vous allez peut-être passer à côté d'opportunités incroyables. Lancez-vous. Eh bien, écoutez, de vous entendre dans cette journée un peu spéciale au terme d'une année difficile où on s'est demandé où est-ce qu'on aboutirait, c'était très rafraîchissant que vous nous fassiez part de la façon dont vous avez vécu et de la façon dont vous avez pu développer, malgré tout, vos affaires en suivant là, les stratégies, les procédures qu'on a eu le plaisir d'entendre. Alors, Mme Saint-Pierre Gagné, Mme Boudreau, merci beaucoup et je vais rendre de ce pas la parole à Charles Milliard. Merci beaucoup. Merci. Alors, merci beaucoup, René. Merci beaucoup, Vicky et Aude. Vraiment, là, très, très inspirante. Puis, on discute. Puis, je viens de réaliser ça, René. On a reçu 6 femmes aujourd'hui dans notre tribune. Donc, dans le cadre, entre autres, de la journée de lundi, il y a d'ailleurs quelqu'un qui nous posait dans le chat la question sur l'entrepreneuriat féminin. Est-ce qu'il y a une façon de valoriser ça particulièrement dans le commerce interprovincial? Est-ce qu'il y a des provinces qui ont des pratiques qui seraient peut-être plus inspirantes que d'autres? Je ne sais pas si mesdames Tadros, Lefebvre, Gatignol auraient des commentaires là-dessus. Je vous prends un peu rapidement, là, mais... Oui, bien, du côté de Toronto, oui, il y a des grands réseaux de femmes entrepreneurs, notamment à Toronto. J'ai aussi travaillé aux États-Unis, puis il y avait des fois des quotas où il fallait acheter de compagnies de femmes. Nous, on n'est pas rendu à ce point-là au Canada, mais c'est sûr que c'est un aspect qui peut être mis de l'avant et qui va intéresser des clients. Puis on peut vous mettre en contact avec des réseaux qui aident et supportent des entreprises qui sont soit fondées par des femmes ou dirigées par des femmes. Et ça peut être des bonnes opportunités pour développer votre réseau, vos contacts, puis vous faire connaître sur nos territoires, sans aucun doute. Oui. Juste pour compléter, Investissement Québec a aussi des programmes pour l'entrepreneuriat féminin. Et on accompagne aussi le réseau des femmes d'affaires du Québec, par exemple, dans certains projets pour en faire rencontrer des donneurs d'ordre où ils doivent justement avoir une part de leurs fournisseurs d'entreprises à propriété féminine. Donc, on travaille, on essaye d'encourager aussi l'entrepreneuriat féminin. Excellent. Alors, je pense que c'est une belle façon de conclure cet échange-là. Et je veux aussi souligner le fait que vous soyez des entreprises un peu partout en région au Québec. Donc, c'est le fun aussi d'avoir des modèles d'inspiration qui se rapprochent peut-être géographiquement des autres marchés, mais qui aussi font rayonner la marque Québec là, à l'extérieur de Québec et Montréal. Et Mme Saint-Pierre, je n'avais pas réalisé que votre entreprise était à Saint-Pacôme, mais toute ma famille vient de Saint-Pacôme et ma grand-mère est une Saint-Pierre. Alors, il faudrait s'en reparler. Là. Il y a certainement des connexions à faire. Saint-Pacôme n'étant pas si grand que ça. Et je considère que c'est un des plus beaux villages au Québec, mais ça, c'est une opinion personnelle. Alors, ceci étant dit, je vais vous remercier donc pour votre présence et aujourd'hui, ça a été très, très agréable et je voudrais, avant de céder la parole à Claude Gagnon de BMO pour le mot de la fin, vous rappeler que vous allez recevoir un sondage de satisfaction avec les présentations qui ont été diffusées aujourd'hui. Pour ceux et celles qui avaient des rencontres éclairs, donc dans les prochaines heures, vous avez déjà reçu les liens. Si ce n'est pas le cas, contactez-nous là, à la Fédération. Et on se revoit donc le 18 mars prochain, jeudi prochain, pour discuter de transport. Alors, pour un si grand pays, on a besoin de modes de transport les plus efficaces possibles. Donc, on en discutera la semaine prochaine.
Et je cède la parole donc à Claude Gagnon, président BMO Groupe Financier pour le Québec. Claude. Merci beaucoup, Charles. Vous m'entendez, oui? Oui, très bien. Oui, excellent. Bon. Écoutez, dans un premier temps, je veux remercier. On avait un panel, comme tu l'as mentionné, un panel extraordinaire ce midi, un panel composé de femmes uniquement, femmes entrepreneurs, femmes dans le milieu des affaires. Et c'est très, très inspirant. Vous démontrez qu'on peut faire de grandes choses au Québec, qu'on a des atouts intéressants et que le marché, non seulement canadien, mais le marché mondial est à notre portée. J'ai apprécié les témoignages autant de nos représentants d'Investissement Québec, nos représentants du gouvernement et vous, entrepreneurs. En cette journée, je dirais qui est un peu sombre quand on regarde pour l'ensemble, non seulement du Québec, mais du Canada, puis des gens chers qu'on a perdus au cours de la dernière année. Je pense que ça a été aussi très, très éprouvant pour les entrepreneurs et je vous lève mon chapeau. Quand on regarde chez BMO, je veux juste partager avec vous que BMO est la première banque canadienne. Ça fait au-delà de 204 ans qu'on existe, mais une banque qui a été formée par des gens comme vous. Ça a été formé par des entrepreneurs, donc des gens qui ont décidé de se mettre ensemble et de faire en sorte qu'il est à favoriser le commerce non seulement au Québec, mais à l'ensemble du Canada. Et aujourd'hui, on retrouve BMO sur les 5 continents. Nous en sommes très fiers. Donc, écoutez, si vous voulez être bien accompagné, bien, on vous invite à venir frapper à notre porte. On est là pour vous aider, vous écouter, vous supporter. Et en même temps, je vous dis que j'ai encore une fois une pensée très particulière pour tous ceux qui nous ont quittés. Et quand on parle du commerce interprovincial, l'avantage qu'on a, 1 $ au Québec et 1 $ à Colombie-Britannique ou à Terre-Neuve, c'est la même chose. Donc, il y a aussi un avantage économique de ce côté-là, de continuer à bien développer nos entreprises et de les étendre pan-canadiennes. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas aller au-delà des frontières, mais il y a quand même beaucoup de choses à faire chez nous. Et il faut en être fier. Fait que sur ce, merci pour vos témoignages. Merci aussi à notre animateur René. Toujours un plaisir de vous avoir avec nous. Et à tous ceux qui ont participé aujourd'hui, je vous dis bonjour et merci. Excellent. Merci beaucoup, Claude. Merci, BMO. Et bonne fin de journée à tous. À bientôt. Au revoir.